Bonjour à tous, nous sommes vendredi 26 mars 2021, je suis à la farfouille de Vernouillet. Oh, c'est trop beau ça. Donc les chaises 34,99€, je vois pas le prix de la table, en tout cas elle est très très jolie. Donc les chaises vont avec la mosaïque là. Alors la farfouille que je fais habituellement à Thiers est ouverte. Donc j'ai pas été voir un petit peu comment ils ont fait pour les rayons essentiels ou non essentiels. Mais bon, de toute façon, les rayons non essentiels ne sont pas disponibles. Horloge, pendule silence, 21,99€. Un petit tour dans le jardin, j'ai vu qu'ils avaient des jolies statues. 26,99€, la tête dorée, le Bouddha assis, 24,99€. Les dalles de jardin, on a plein de pots. 14,99€ le treillis. Il fait 1 mètre sur 3 mètres. Elle est côté déco. On a ces petites lanternes, 2,99€. L'horloge. Mais voilà, c'est pour ça que je ne comprenais pas. Je voyais boîte de rangement. Mais en fait, c'est pas une vraie horloge. Mais on dirait. Hein. Donc, c'est vraiment pas une vraie horloge. C'est une boîte de rangement. Donc elle souffle par là, donc j'y arrive pas, en plus j'ai mal au doigt, donc je vais pas tenter plus. Mais c'est original. On a les lanternes en métal doré comme ça, elles sont sympas, celles-ci, 9,99€. Ouh, je sais pas, mais je pense que je vais pas finir la journée sans casser quelque chose. Sympa le petit plateau en métal blanc comme ça. Ah, ceux-là, ils sont sympas aussi, un peu de la gamme café de la rue, un peu sur la thématique bistrot. Donc il y a plusieurs tailles. Petit panier corbeille à fruits, petite corbeille à fruits. Alors voilà, c'est moi, je voulais accéder à celui-là. C'est sympa celui-là. Ils existent aussi en noir, plus grand. Alors dommage, j'ai pas les prix. Tiens, les petites déco plaques métal. 6,90, 6,90. C'est sympa ce miroir en forme de fleurs comme ça. Le vase doré, 9,99€. Alors je vous dis toujours hein, de sortir les éléments de leur rayon un petit peu seul. Et voyez par exemple cette plante artificielle, je suis sûre qu'en rayon on n'aurait pas prêté plus d'attention que ça. Mais là dessus, sur la petite table, franchement, on penserait que c'est une vraie. On a des bougeoirs sur pied, argent, 14,99€. Alors bien évidemment, on n'oublie pas son petit couvert comme ça, hop. Il fait 43 cm de hauteur. Ah, juste en haut, il y a un chandelier qui est pas mal en blanc comme ça, métal. 8,99€. Alors j'ai vu qu'il existait en argenté et en doré. Donc le doré est à 10,99€, l'argenté 9,99€ et le blanc 8,99€. Donc en fait, le plus cher, c'est le doré. On a ce photophore aussi, 8,99€. Ah, les petites boîtes bambou colorées, c'est très sympa. Alors le grand modèle est à 11,99€, le moyen 7,99€. Et puis on a aussi ces paniers comme ça, bambou. C'est une très bonne idée pour mettre un petit peu de couleur dans sa déco. Tiens, la farfouille, on a aussi un rayon pour découper ses voilages. Alors en général, c'est plus des rideaux de cuisine, mais pas que. Après, c'est vraiment au choix de chacun sa déco. Donc on a plusieurs modèles et en fait, c'est au mètre.
Donc on a plusieurs largeurs et après c'est vous qui décidez de la longueur. Tuto dans les rideaux. Alors histoire des rideaux à découper, je ne sais pas vous, mais moi, à chaque fois que je cherche quelque chose, je ne sais plus où je l'ai vu. Et en fait, j'arrive plus à trouver dans quel magasin je l'ai vu. Et donc c'est pour ça que je voulais montrer. Je me dis peut-être que vous recherchez justement les rideaux comme ça à la découpe. Mais il y en a à la foire fouille. Donc les rideaux, on en a de toutes les couleurs. Alors je commence à bien aimer celui-là. Moi je suis un peu dans le gris. Et j'ai rajouté quelques coussins moutarde chez moi. Mais je commence à vouloir un petit peu plus de couleurs. Donc à voir comment ça va tourner tout ça. On a ce genre de rideau. 16,99 €. Ah non, je pense pas que c'est ça, tiens. Non, je pense pas que c'est le prix. J'ai un doute parce que sur l'étiquette, il est écrit par deux, mais là, il y en a bien, c'est bien un panneau. Alors ça, pour mettre de la couleur chez soi, je pense qu'il n'y a pas mieux. Puis après, vous accordez selon les couleurs, soit qui sont déjà dans le sur le rideau. On a bon différentes gammes de vert et puis un petit peu de marronné comme ça. Ils ont pas mal de choix au niveau des corbeilles. Alors, je vous les montre toutes. La petite corbeille, j'ai toujours pas trouvé le prix. Donc, elle existe aussi en carré comme ça. Panier multi-usage 4,99 €. Je pense que c'est le grand. On a aussi celui-là. Sympa celui-là aussi. Donc on peut mettre le pain dedans. Le pain, les œufs, etc. On a cette corbeille, 5,99 €. On a un plateau en inox comme ça. Rond, mais pareil, j'ai pas le prix. C'est vraiment dommage. On a des petits bols comme ça. Pareil, j'ai pas le prix. Dommage. Donc on a deux couleurs. Alors. Des fois, je vous montre les choses sans les prix. Bon, ça m'embête, hein, parce que j'aime bien donner le prix, etc. Mais je me dis, bon, bah tant pis, c'est pas grave. Peut-être que vous recherchez justement cet article et que, bah voilà, il y a des personnes qui vont chercher cet article, quel que soit le prix. Donc, si c'est votre cas et que vous recherchez ça, bah, il y en a à la foire fouille. Alors, je me doutais pas du tout qu'à la foire fouille, il y avait un aussi grand choix de pelote de laine. Alors, est-ce que j'ai pas fait attention dans les autres boutiques ou est-ce qu'ici, justement, ils ont plus de laine qu'ailleurs? Regardez toute la laine qu'il y a. Alors, donc, pour les amatrices de laine, les tricoteuses, c'est vraiment le choix, je trouve. Il y en a encore de l'autre côté. Donc, en fait, il y a ça, il y en a de l'autre côté, puis tout autour. Donc, il y a vraiment pas mal de choix de laine. Et j'ai vu aussi qu'ils avaient, bah, du coup, tout ce qu'il faut pour tricoter, broder, etc. Ils ont aussi pas mal de choix de plateaux. Vraiment toutes les tailles. Alors ça, c'est idéal. Un petit café au lait, une petite madeleine, un petit jus, etc. Donc après, chaque plateau va avoir son rôle particulier. Donc il y a toutes les matières, beaucoup de couleurs. Ainsi, les dessous de plat, il est beau celui-là en céramique comme ça. Il est sympa. Donc il y a plusieurs couleurs. Planche à découper en verre. Allez, un petit tour côté cuisine. Étagère à épices rétractable. Donc il y a trois niveaux. Puis si vous n'avez pas besoin des trois niveaux, vous pouvez le refermer. Donc ça peut être pratique parce que j'étais en train de me poser la question pourquoi ouvrir, fermer. Mais c'est vrai que bah, vous la laissez fermer, vous mettez vos épices et puis vous ouvrez au moment où vous cuisinez. Comme ça, vous pouvez peut-être remettre vos pots à épices. Voilà. Je vois que cette idée-là. Donc 6,99 €. Ah bah tiens. Alors c'est un couvercle pour les bols. Ça peut être une solution. Alors une petite pensée pour une personne que je rencontre parfois dans un autre magasin et qui cherchait hier ce genre de saladier, mais ça peut être sympa en fait là. Tu vois, tu as juste le couvercle et tu peux le poser donc sur n'importe quel saladier, donc n'importe quelle taille. Il va s'adapter, je pense, sur toutes les tailles. Et puis le petit trou là pour insérer bah, du coup le fouet ou le pied. Tiens, ça c'est pratique. Parce que c'est vrai que d'habitude, on a vous savez, comment dire, le tout.
Mais c'est vrai que quand on doit mixer des soupes, etc., des légumes, ouais, ça peut être pratique pour pas en avoir partout. 5,99. C'est la première fois que je tombe sur ça. Hein. Je découvre avec vous. Je ne savais pas que ça existait comme ça avant du tout seul. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. En tout cas, moi, je vous fais plein de gros bisous. Et puis, bah, je continue ma petite recherche dans d'autres enseignes. Je vous dis à plus tard dans la journée dans d'autres enseignes. Bisous, bisous.